Bonsoir les nouveaux audacieux et audacieuses, bienvenue sur la chaîne Ceinture Blanche. Ce soir on va voir c'est la suite de la ceinture verte, pardon. Je vais aller enchaîner directement. Donc là, c'est dégagement de saisie par les cheveux. Vous n'avez rien, j'en ai pas. Mais on va faire comme si j'en avais. Okay. Il y a une époque où j'en avais. J'en avais même beaucoup. J'avais des coupes à la Jackson 5. Donc je vais me faire aider de Morgan. Donc la première saisie, c'est une saisie de face. On imagine qu'il va me saisir les cheveux et qu'il m'emmène vers lui. Donc quand il m'emmène vers lui, je mets mon coude en protection. Là. Tout dans les parties, d'accord, et en même temps je donne un coup de coude. Il prend les cheveux, donc je monte avec le coude en direction de son nez, d'accord, et en même temps tac tac tac, d'accord, je tape. Le deuxième, là il prend les cheveux, pareil, là je vais taper sur, alors je là, ça c'est extrêmement, quand vous allez taper comme ça, ça va lui casser les phalanges. On l'a déjà fait fort, ça fait extrêmement mal. Donc, on tape, on amène en bas, on remonte, on ramène en bas et on finit. C'est celui-là qui est très fort, voilà, vous prenez toutes vos forces, vous tapez. Et l'action se fait sur la torsion du poignet pour amener la personne en bas. Donc vous gardez bien collé et là, voilà, vous avez vu, le réflexe là, il descend. Donc dès la première descente, on remonte. Et à la deuxième, on amène au sol. Voilà pour le deuxième. Je vous passe rapidement. C'est juste que ça fait travailler la mémoire. Après, on peut revenir vraiment sur les détails techniques. Si vous avez besoin, vous laissez dans les commentaires. Donc la troisième. Là, pareil, on va taper. Mais la spécificité, c'est avec cette main droite. Cette main droite, c'est cette main droite qui va amener la torsion vers là-bas, d'accord. Si c'est à gauche, on travaille toujours les deux, vas-y, l'autre, on peut tomber sur un gaucher. C'est la même chose, c'est comme en aïkido, d'accord. Regardez, vas-y, tape-moi de la droite, voilà, ça donne une protection. Je dis pas que d'un coup vous allez faire des clés, hein, mais voilà, c'est comme ça qu'on les travaille. Donc on va reprendre là, on tape, on centre au sol, on tape, on garde sur le... et on amène au sol, on tape. Et on reprend la distance. Et on regarde toujours à 360 degrés. Je suis désolé, chacun, parce qu'on fait des signes derrière. J'adore tourner des vidéos quand on est plusieurs. C'est vraiment beaucoup plus marrant que quand on est tout seul. Là, on va voir sur les côtés. Donc, c'est comme le premier que je vous ai montré en avant. Donc vas-y, donc tu prends sur les côtés, donc là, toujours, il y a un bond, vous allez effectuer, c'est ce bond qui va donner de l'élan, donc pareil, avec la pointe du coude, je viens en protection, et je peux donner un coup, et en même temps, là, 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 d'accord, là, d'accord, la même chose de l'autre côté. Dans les parties. Et le dernier coup, c'est à l'arrière. Donc c'est la même chose, je me retourne. Moi, j'aurais une petite préférence de ce côté, parce que, voilà, mais dans le manuel, on se retourne de ce côté, pareil, on fait le bond, et on donne les coups bien sur le côté. On se retourne, toujours le bras en flexion et d'accord, on part. Voilà pour les trois prises, je pense que j'en ai oublié aucune. Est-ce que j'en ai oublié? On va demander à l'assistance technique si j'ai oublié des prises. Non. Et voilà, donc on a terminé pour cette partie prise de cheveux, où il n'y avait pas de cheveux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à regarder les autres. Vous avez tout le suivi, je vous ai mis ça dans les liens, de la ceinture jaune jusqu'à présent, jusqu'à la ceinture verte.
Et on va comme ça jusqu'à la noire. Avec de l'audace, toujours l'audace et encore l'audace.